votre vie, votre jeunesse, votre vieillesse, votre présent, votre passé, à la fois. Oui, donc le thème. Hop, c'est un mot. Donc le thème aujourd'hui, c'est, comme l'indique la chanson de Mano, j'entends le loup, le renard et la belette, et nous allons l'étudier sur plusieurs styles, que nous allons vous présenter d'abord dans le premier. D'ailleurs, nous pouvons, je fais une petite parenthèse très rapide, nous pouvons établir une sorte d'opposition entre le loup et la belette, qui peut représenter très bien la force du mâle contre la force du gars, représentée par une force neutre. Je dirais, mon cher Charles, que tu t'es un peu trompé, mais c'est pas grave. Bref, nous allons appeler le loup, le renard et la belette. Voilà, merci. Par Clément Morse, le pauvre, il n'a pas choisi de comprendre ça, mais applaudissez-le pour le faire. Nous avons deux bouts de chou pour le loup. Il me semble que le loup, c'est toi. Voilà. Applaudissements aussi pour le loup, s'il vous plaît. Donc, bien, nous avons donc, pris le refrain de la. Je reprends la parenthèse sur cette opposition qui est. Donc nous avons pris donc, le refrain de la chanson en l'ayant changé un peu bien sûr. Donc c'est parti, nous allons, c'est parti. Allez, tout en bas. Allez, venez. Mes yeux, mes. J'ai demandé au public de chanter avec nous. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, ils sont à changer. Donc on va. Allez, bon, au début c'est ça. On va vous le faire, vous chantez après nous. Ça marche? Ok? On vous fait le refrain. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard qui va. Tu lui viendras, les gars, tu lui viendras. C'est ce moment-là que le combat commencera. Tu lui viendras, les gars, tu lui viendras. C'est à ce moment-là que le combat commencera. À vous! Attention. Notre arbitre de sabre, animal. Attention. À ma gauche, le loup. À ma droite, le renard. En garde, messieurs. Êtes-vous prêts? Allez. Allez.